Messieurs, dames, merci d'être avec nous dans cette émission. Entre les lignes, eh bien, nous allons aborder la question cruciale, la question de la sécurité dans la partie est de la République. Eh bien, comme vous le savez, le président Tshisekedi avait donné le ton. En tout cas, plus de blagues. Il va prendre la mesure qui s'impose. Il va devoir agir efficacement, comme il a toujours fait, comme il l'a dit lui-même, pour mettre fin à l'insécurité totalement dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue. On va donc parler insécurité dans l'est de la RDC parce qu'on reçoit un spécialiste des questions sécuritaires, comme je le présente souvent. On parlera également actualité de façon générale. Comme vous savez, nous sommes en train de vivre la publication progressive des résultats par le bureau de la CENI. Déjà, le président Tshisekedi est très largement en tête avec plus de 78% des voix devant Moïse Katumbi avec 14% et les autres sont en train de venir juste après. Eh bien, bienvenue dans cette émission. Professeur Jean Omeunga Onakundu, il est professeur ordinaire à l'Université de Kinshasa, le directeur du Centre de recherche géopolitique, géostratégie et développement durable. Il est au cadre du PSDV de l'honorable Léonard Cheo Kitundu, les membres de l'Union sacrée de la Nation. Ils sont donc du bon côté de l'histoire, comme ils le disent. Bienvenue, professeur. Merci beaucoup, au moins pour la sixième fois que nous nous retrouvons. Et je crois que cette fois-ci, ce sera encore toujours la bonne. Ça sera toujours la bonne, comme d'habitude. Ouais. Chaque fois qu'on nous fait une émission, je reçois beaucoup d'appels, des échos positifs. On vous félicite pour vos prestations médiatiques. Oui, mais c'est bien parce que parfois, moi, je fais des analyses objectives et parfois, je ne m'attaque pas aux individus. Mmh. Moi, je prône toujours les valeurs, les idées, l'idéologie, ils donnent des idées, des propositions surtout. Mmh. Et voilà, donc je ne m'attarde pas à parler des individus, mais comme je suis enseignant, je suis en train d'instruire, de promouvoir, faire des recherches et d'instruire surtout, de guider et donner des propositions s'il le faut. Très bien. Moïse Katumbi disait que s'il prenait le pouvoir 6 mois, il va mettre fin à l'insécurité de l'Est de la RDC. On va chercher à comprendre si cela est possible avec le professeur Omeunga, qui est spécialiste des questions sécuritaires. Comme on l'a dit, professeur Omeunga, on commence par cette information, cette actualité. Le président Tshisekedi a menacé. Il a menacé ceux qui ont pris les armes. Il a menacé également Monsieur Corneille Nangaa, qui a créé un mouvement politico-militaire au Kenya, qui annonçait qu'il va faire, il va annoncer une attaque dans cette partie du pays. Le chef de l'État a dit, si cela commence, il n'hésitera pas de réunir les deux chambres du Parlement pour déclarer la guerre au Rwanda, faire directement la guerre au Rwanda de Paul Kagame. Quel est votre avis à ce sujet? Oui, bon, vous savez très bien que la guerre à l'Est, c'est un enjeu pour le président de la République. Mmh. Il a dit avant, dans son programme, que quand il sera président, il a parlé une fois de l'état-major qu'il devait déplacer à l'Est. Mmh. C'est-à-dire qu'il prenait à cœur cette histoire de l'insécurité à l'Est. Mmh. Et cela lui tient toujours à cœur jusqu'à présent. Et que vous voyez que depuis qu'il est là, malgré qu'il a opté pour l'option diplomatique que nous appuyons, nous autres internationalistes, parce que nous disons toujours, quelle que soit la situation, il faut qu'il y ait un règlement pacifique des choses, c'est-à-dire essayer de passer par les dialogues, par des compromis, essayer de passer par des alliances et des contre-alliances, et surtout recourir à la force quand au dernier recours, c'est-à-dire que quand le compromis n'avance plus, et à ce moment, on fait appel aux armes. Et je pense que le président de la République, par rapport à l'insécurité à l'Est, qu'il a trouvé, parce que cette insécurité à l'Est, il faut le dire, ce n'est pas à l'époque du président Tshisekedi, ça a commencé par l'époque de Mouzé, ça a commencé par l'époque de Joseph Kabila, et vous savez, dans l'époque de Joseph Kabila, il y a eu beaucoup d'accords, mais des accords qui n'étaient pas suivis et des accords parfois qui étaient parfois difficiles à avaler. Des mauvais accords. Oui, mauvais accords dans le sens que, pour le dire clairement, et je crois que j'ai dit plusieurs fois, des accords qui disaient, bon voilà, nous sommes d'accord de cesser la guerre, de cesser le feu, nous sommes d'accord de cesser la guerre, mais
il y avait des conditions. Il faut qu'on intègre l'armée. Les rebelles dans notre armée. Il faut qu'il y ait des restrictions sociales. Il faut qu'il y ait telle condition, tel poste. Et vous avez constaté que depuis les 20 ans, dans le régime que nous, personnellement, nous avons soutenu, il faut le dire, mais il y a eu des gens de l'Est qui étaient en poste parfois 16 ans durant toujours de le même poste. Parce qu'il y a cette condition-là qu'ils devaient respecter. Et vous avez vu aussi que par ces conditions, il y a eu beaucoup d'officiers des nationalités douteuses qui étaient dans les zones de commandement, plusieurs zones de commandement. Donc plusieurs zones de commandement étaient... Que des gens qui étaient des nationalités douteuses, qui n'étaient pas vraiment vrais des Congolais. Et c'est là... Dans l'armée congolaise. Oui, dans l'armée congolaise. Et c'est là, ça s'est fait constater à chaque fois que nous amenons une guerre, quand il s'est arrivé. Vous avez vu souvent, les gens constataient, observaient qu'il y avait beaucoup d'embadons, de munitions, où on prend telle localité 2, 3, 4 fois, et puis il y a toujours des trahisons. On avance, derrière, on tue. Donc il y avait toute la trahison qui était très profonde par rapport à ce genre de personnalités. Ces militaires-là trahissaient le président Tshisekedi et même l'armée. Oui, mais il faisait l'armée et... directement comme le président et le chef commandement de l'armée. C'est la même chose. Heureusement, et je vous ai dit en tant que spécialiste, que heureusement qu'à cette époque-là, il n'a pas pu faire la guerre. Parce que les gens voulaient que non, même la population demandait à un moment donné, vous voyez les gens de l'Est, que non, il faut qu'on déclare la guerre contre les Rwandais. C'était inopportun parce que c'était cadré, miné. S'il a fait la guerre, c'était à ce moment-là, ces gens devaient arriver à Kinshasa. Parce qu'ils n'avaient pas d'appui, il y avait des traîtres, la guerre était dans la foule, il y avait la population qui était infiltrée, la population qui était manipulée, et les officiers qui étaient corrompus. Donc il fallait qu'ils fassent un travail de titan en essayant de dégager les uns et les autres. Et essayer de former la nouvelle armée, des unités spéciales, acheter des armes. Heureusement que nous avons gagné sur le plan diplomatique en enlevant cet embargo d'achat d'armes militaires. Et maintenant, on peut acheter des armes. Et je crois que, vous voyez, il y a un élément important avec la programmation de la loi de l'armée. C'est-à-dire que ça, c'était très important pour qu'il y ait un budget conséquent à notre force d'armée. Et tout ça, il fallait faire. C'est pourquoi, vous l'avez dit dernièrement ici, parce que les gens l'attendent à ce côté-là, parce que jusqu'à présent, vous savez, et s'il ne le dit pas, mais je suis sûr, pour le président, s'il a des conseillers en matière de sécurité, il a des conseillers militaires, ils savent très bien que le président est très, très mal préoccupé par des zones qui sont encore occupées, comme Bunagana, qui sont encore occupées, d'autres routures là-bas. Donc, je pense que, sans le savoir, le président est très préoccupé de cette affaire-là, et que d'ici, comme il aura le deuxième mandat, je pense que ces zones-là, vous allez me donner raison un jour, seront récupérées totalement pour la République du Congo. Parce que... récupérer, mais oui, mais récupérer comment? Par les négociations, par la guerre, et comment? Non, moi je vous ai dit que non, la première chose, il faut négocier. Nous avons négocié, nous avons eu des accords avec nos amis de l'Afrique de l'Est, ça n'a pas tenu, et maintenant, on a essayer d'approcher nos amis de l'Afrique australe, la SADC, et je pense qu'avec ces gens, c'est très sérieux. Si ça continue dans ce sens-là, je crois que le président de la République, dans ses attributions régaliennes, il va prendre ses responsabilités et dire que seule la République est capable de se défendre seule avec ses moyens militaires, ses moyens humains et ses moyens matériels. Donc, à un moment donné, c'est pourquoi il a dit, effectivement, une déclaration de dissuasion, effectivement, quand il a dit que non, si j'entends encore même une balle qui tombe à quelque part, donc je vais ordonner et faire la guerre avec le Rwanda. Je pense que cette situation, ce n'est pas encore fini, même s'il a déclaré, parce que les gens commencent à dire que non, maintenant il y a des bruits là-bas, mais il n'y a pas la guerre. Il y a une période, tout le monde sait très bien que maintenant il y a une période transitoire, parce que nous attendons les élections, les résultats des élections. Parce qu'il y a eu des élections. On ne peut pas, entre-temps, les gens risquent d'interpréter,
au moment où nous attendons les verdicts des urnes, et en moment entre-temps, nous faisons parfois la guerre où nous faisons matériellement la guerre. Oui, professeur, il y a plus d'une année qu'il y a des localités qui sont sous la bannière de Terre-Belgium 23. Qui sont jusqu'à présent. Jusqu'à présent, oui. Une partie du pays est... Oui, oui. Mais ce que je vous dis que c'est... Pourquoi on n'arrive pas... Pourquoi on ne les récupère pas? Non, c'est ce que je vous dis, que la guerre, ce n'est pas quelque chose de facile. La guerre, on la prépare. C'est-à-dire qu'il y a, comme je dis dans mon cours de géostratégie, il faut préparer la guerre tout en ayant, en analysant tous les déterminants géopolitiques, en analysant tous les fondamentaux de la géostratégie, c'est-à-dire que il faut voir les rapports de force, il faut voir l'approvisionnement, il faut voir les questions de la distance, et beaucoup de choses avant de déclarer une guerre. Par exemple, maintenant là, je suis sûr, je ne suis pas dans l'état-major général et je ne suis pas dans la naturelle sécurité du chef de l'État. Je pense que, concernant, comme il a dit lui-même, il faut suivre ce qu'il a dit. Il dit maintenant, on n'a plus besoin même de la force terrestre pour faire rapport mener une guerre. C'est-à-dire que nous avons une force spéciale d'aviation qui peut toujours blesser déjà le chemin avant que les combats terrestres prennent le chemin. Donc c'était très important. Je suppose que le Congo est conséquent par rapport à l'aviation qui est un élément important pour au moins balayer les chemins pour que les chars arrivent. Est-ce que les conditions sont réunies pour que nous puissions gagner une guerre? Oui, je pense que je ne peux pas te le dire maintenant, moi personnellement, je suis pas dans la tour du chef de l'État, mais je sais très bien que, comme je vous ai dit une fois ici dans cette chaîne, que le président va déclarer la guerre au moment opportun. Au moment opportun, ça dit que son état-major avec lui-même, ça dit que les cellules de crise qui va analyser avec chez l'État pour voir tous ces fondamentaux que j'ai dit, nous avons autant d'armes, nous avons autant d'armées. Nous avons autant d'unités, nous avons tels les moyens, parce que sous les problèmes de potentialité, c'est-à-dire que nous, l'étendue du pays, la dimension humaine, nous avons ces possibilités que nous pouvons faire, comme Mouzé l'a dit, faire une guerre longue et populaire. Populaire, c'est-à-dire que la légitimité de toute la population, parce qu'aujourd'hui, si le président mettait d'une manière effective la déclaration de la guerre, c'est-à-dire qu'il sera suivi par toutes les forces vives du pays et ce que les gens attendent. Et deuxième chose, c'est-à-dire que nous devons aussi, la guerre, nous devons aussi avoir des matériels, c'est-à-dire se préparer à conséquence par rapport à la technologie. Troisième chose, nous devons se préparer aussi à conséquence par rapport à la forme ou le type de la guerre qui sera à l'Est. Vous savez qu'à l'Est, à un moment donné, il y avait la guerre asymétrique. Or, la guerre asymétrique, on ne peut pas seulement la combattre avec des chars. Il faut maintenant des moyens appropriés par rapport à la guerre asymétrique. Donc, tout ça, je pense que les conseillers militaires du chef de l'État, les conseillers spéciaux, les états-majors, les unités spéciales, je crois que c'est avec ça que je pourrais répondre à votre question si j'étais à l'intérieur pour vous dire maintenant, nous pouvons mener une guerre et la gagner. Et la guerre, vous savez, on déclare la guerre, mais on ne sait pas quand il faut la gagner. C'est pourquoi on prend toujours des précautions pour ne pas la perdre et la mener très bien. Et la mener très bien. Professeur, il y a cette question qui me revient également. Le gouvernement avait dit, pas question de négocier avec le M23. Une demande avait été faite également par le Parlement pour interdire au gouvernement de négocier avec le M23. Est-ce une bonne initiative? Le Parlement a demandé au gouvernement de négocier avec M23. De ne pas négocier. De ne pas négocier. Oui. Non, comment on peut négocier? Parce qu'on a essayé de négocier avec les gens qui sont responsables du M23. C'est pourquoi on a cité nommément le Rwanda. Parce que l'M23 n'a pas une force, ni été le Rwanda, ni été la force étatique rwandaise. Donc c'est pourquoi le M23, si c'est disent les Congolais, ils devaient comprendre qu'ils sont de mauvais côté de l'histoire. C'est-à-dire qu'ils sont de mauvais côté. Ils ne doivent pas persister à faire tuer ses compatriotes. Donc, il était irresponsable de négocier avec des terroristes parce qu'ils sont dans notre logique. S'ils étaient des gens sérieux,
Il devait dire que bon, nous déposons les armes, nous voulons nous déposer les armes, nous ne combattons pas. Et puis après, il passe par des négociations intermédiaires pour voir le président de la République. Voilà, voilà, voilà. Mais il donne des conditions. Quand les rebelles donnent des conditions, ce n'est plus normal par un État souverain comme nous. Les gens qui se rebellent, vous négociez avec eux parce qu'ils donnent des conditions pour qu'on quitte la frontière, pour qu'on quitte cette partie. Il faut que nous soyons au Tsar. Non, ils donnent des conditions. C'est pourquoi, à un moment donné, je vous dis, qu'au moment important, si ça continue ainsi, avant la fin du mandat du chef de l'État, 5 ans qu'il va en avoir, je crois que le Congo sera récupéré totalement et ces zones-là seront récupérées. Par la guerre. Vous allez me donner, oui, par la guerre. Par la guerre. Par la guerre. Par la guerre. Parce que, oui, je te dis par la guerre, parce que eux, ils disent que nous ne pouvons pas quitter s'il n'y a pas de négociation. Et nous disons, nous ne pouvons pas négocier avec les irresponsables. Donc, à un moment donné, les armées vont parler. Quand les négociations, nous sommes, moi je suis un diplomate, donc je forme les diplomates, je suis internationaliste, j'ai ma spécialité, c'est défense et sécurité. Et je vous dis que c'est le dernier recours, c'est la force si les négociations échouent. Mais la communauté internationale demande que les mécanismes de paix soient mis en œuvre pour que la... C'est-à-dire que, raison pour laquelle... Diplomatique, comment dire, l'axe diplomatique de Nairobi, l'axe diplomatique de Luanda soit mis en œuvre pour... Mais c'est pourquoi vous avez vu à un moment donné, je crois que les gouvernements américains, si je ne me trompe pas, avaient demandé aux États de la région d'œuvrer sous les cessez-le-feu. Et je crois que le président de la République l'a accepté à un moment donné. Il a accepté et les autres aussi ont les accepté, mais malheureusement, avec des gens qui ne respectent pas comme ça le feu et les femmes, non. Nous avons montré à l'opinion internationale que nous sommes sérieux, nous sommes fidèles et nous cherchons la paix parce que nous ne voulons pas qu'il y ait beaucoup de pertes de vies humaines et surtout sur nos frères qui sont tués s'il y a la guerre. C'est pourquoi on a opté pour la dernière demande des Américains qui est de cesser le feu. Jusqu'à quand on va continuer à subir ça? Jusqu'à quand les Congolais vont-ils continuer à accepter qu'une partie du pays soit entre les mains des ennemis? Je vous ai dit qu'il y a eu concours des événements. Et c'est pourquoi je vous dis, maintenant, comme il y aura une nouvelle mandature et qu'on va dépasser ces événements des élections et que maintenant, le président aura les mains libres de voir que non, c'est un enjeu, c'est une demande, c'est un projet qu'il avait dit au peuple congolais et en particulier au cours de l'Est, et je veux finir avec cette histoire de l'Est. Est-ce que vous pouvez d'abord me donner un petit temps qu'on proclame les élections, que le président soit installé, et vous allez me demander la même question, je viendrai ici me dire que est-ce qu'on continue toujours avec le Bounangana qui est en dehors du territoire. Bounangana qui est en dehors du territoire. Professeur, il y a cette déclaration, ce mouvement politico-militaire qui a vu le jour à Nairobi, au Kenya, avec l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, qui a menacé les institutions de la République. Après cette déclaration, le président kenyan, parce que le gouvernement avait demandé qu'on puisse arrêter Corneille Nangaa et l'extrader au Congo pour qu'il soit jugé pour menace aux institutions. Le président kenyan, William Ruto, avait accordé une interview pour dire que nous sommes un État démocratique. Nous ne pouvons pas arrêter une personne parce qu'il a fait une déclaration. Votre réaction? Non, mais je pense que, si je ne me trompe pas, hein, je suis internationaliste, il y a les problèmes d'extradition. Extradition, c'est-à-dire que je ne sais pas si nous avons fait des accords entre le Kenya et la RDC sur le problème d'extradition, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui commet un acte, un Kenyan qui commet un acte chez nous, on peut les retourner au pays ou pas, je ne sais pas, je vais vérifier ça. Mais dans tous les cas, je crois que le président a demandé que ce monsieur soit quand même revenu ici, parce qu'il a commis des actes anti-parti, donc anti-patrie, et que le président kenyan a refusé, je crois que bon, de son droit de refuser, mais il ne faut pas que cela entache des relations diplomatiques qui sont avec le Kenya, qui sont très très bonnes. Parce que tout en,
en émergeant les rebelles, en émergeant les gens qui voudraient déstabiliser sur le plan sécuritaire notre pays, ce n'est plus un ami, ça devient un ennemi. Et je pense que le Kenya doit se considérer comme étant un ennemi. Non, je dis, s'il continue à héberger les gens qui sont contre nous, dans leur site, par exemple, dans la loi, par exemple, pour eux, les réfugiés politiques ne doivent pas être extradés dans des pays où ils ont commis des crimes. Mais il y a aussi des droits internationaux qui disent, parce que vous avez signé des accords, que si tel, par exemple, avec le Congo-Brazzaville, à l'époque, je ne sais pas si actuellement, maintenant, à l'époque, si un Congolais qui commet un acte à Brazzaville, on les remet ici. La raison de commettre des Congolais ici, on les remet au Congo-Brazzaville. Si ce soit comme pour être jugé là-bas, parce que nous avons signé des accords de sécurité et d'extradition entre nos deux pays. Alors, je dis que le Kenya, c'est un pays responsable, un pays souverain, et qui voudrait qu'il y ait des bonnes relations diplomatiques, des bonnes relations culturelles, des bonnes relations, des rapports étatiques normaux entre le Congo et la RDC. Je crois qu'il doit choisir de protéger un individu qui voulait faire du mal à la RDC. Ou pourquoi, il refuse de... Mais non, mais c'est comme nous. C'est comme nous aujourd'hui. Si nous n'avons pas signé des accords avec, par exemple, le Congo-Brazzaville, que non, quelqu'un qui a commis un acte ou qui a fait un coup d'État au Congo-Brazzaville et qu'il fuit chez nous. Et que si nous n'avons pas des accords d'extradition en disant que non, nous, pour des relations de sécurité, puis des relations de bon voisinage, et pour des relations diplomatiques, nous ne pouvons pas essayer d'héberger des ennemis respectifs. Non. Dans ce moment, s'il n'y a pas ces accords-là, je peux refuser parce que dans la Constitution, ça dit qu'un réfugié politique, on ne peut pas le rendre là où il a commis un crime. C'est pourquoi même, vous voyez, pas en France, il y a beaucoup de gens qui sont des réfugiés politiques contre le gouvernement Tshisekedi, contre le gouvernement Joseph Kabila. Mais même si aujourd'hui, la France ne peut pas, même si le président Tshisekedi, le président Kabila demandait la France de faire revenir quelqu'un qui a commis, qui a dit qu'il est contre le Tshisekedi, et on ne peut pas les renvoyer ici parce qu'ils sont des gens qui sont protégés par la Convention de Vienne, Convention internationale sur les histoires des réfugiés diplomates et des réfugiés, que aucun quelqu'un peut demander l'asile politique. Même dans le cadre de la coopération de l'EAC, on ne peut pas l'extrader quand même pour un État qui est membre d'une organisation aussi importante. Oui, c'est pourquoi je dis, c'est au président du Kenya de voir que pour garder ses relations diplomatiques, c'est garder ses rapports avec le président de la République, lui ne peut pas héberger quelqu'un qui voudrait déstabiliser la République. C'est quand même, ce n'est pas des bonnes guerres, et ce n'est pas très gentil, et ce n'est pas diplomatiquement bon que vous collaborez très bien sur le plan économique, militaire, sécuritaire, et que quelqu'un, d'un coup, vous hébergez quelqu'un qui voudrait apporter atteinte à la sécurité de votre voisin. Je crois que ce n'est pas bon. Et je pense que, raison pour laquelle que les Kenyans a trouvé, a demandé, et j'ai appris, je ne sais pas si c'est vrai, a demandé à ces messieurs de quitter le territoire kenyan, et je pensais, il semble qu'il se trouverait maintenant à Kigali. Vous voyez ça? Il n'est plus au Kenya, il se trouvé à Kigali parce que le Kenya s'est trouvé devant une situation qui devait vraiment analyser clairement entre les rapports étatiques et les rapports avec les rebelles. Alors, professeur, on va parler aussi d'un autre, élément de l'actualité sécuritaire. Ce sont les forces de l'EAC qui ont plié bagage. Oui. Leur bilan. Oui. Contre vous, leur bilan. Non, mais moi, je crois que vous oubliez les débats que nous avons menés déjà ici, nous deux. Je vous ai dit, si quand vous m'avez reçu avant que je vienne à Paris, donc je vous ai dit que il ne faut pas faire partie de manière brutale ces forces régionales de l'Est, mais le gouvernement congolais devait négocier de manière progressive leur retrait parce que on a trouvé que cette force n'a pas fait un travail qu'il devait faire. Et que je vous ai dit, si j'étais le conseiller au ministère des Affaires étrangères ou conseiller à la présidence, je devais donner les négatifs
si on a, en faisant appel à cette force de l'Est, et j'ai trouvé, parce que moi, j'étais au ministre des Affaires étrangères, je m'occupais de la zone de SADC, Afrique australe, j'aimerais appeler la force de la SADC, que j'ai trouvé très sérieuse dans leur façon d'agir, que les gens de l'Est, et que j'appréciais, heureusement, que maintenant le gouvernement a demandé à la force de l'Est, c'est de partir de manière polie, c'est-à-dire tout en disant qu'on ne peut plus renouveler les mandats, c'est-à-dire qu'on coupe les rations, c'est-à-dire qu'on coupe le budget, et on ne peut pas, parce que le président, parce que les autres pays donnaient une facture un peu lourde pour cette force-là. Mais c'est pourquoi la force a trouvé que si le gouvernement d'accueil ne veut plus de nous, nous devons partir. Et je pense que... Parce qu'ils sont partis, brusquement ou progressivement? Non, non, ils ne sont pas partis brusquement parce qu'il y a eu un délai. On a donné un délai jusqu'au 8. Et je crois que dans la négociation, là, c'est la manière de... En dehors des négociations de la date, on peut toujours voir des aspects de respect mutuel entre les États. Dire, écoutez, c'est comme la MONUSCO. La MONUSCO nous les a appelés. Il ne faut pas la faire partie comme si on ne les a pas appelés parce qu'après tout, c'était une force dissuasive, la MONUSCO. Donc, c'est pourquoi on a demandé son départ progressif. Mais il y a aussi, c'est nous qui les avons appelés. Malheureusement, le bilan n'est pas conséquent par rapport à nos espoirs. C'est pourquoi... Est-ce que ça n'entend pas les relations diplomatiques entre la RDC et tous les États membres de l'EAC? Non, non, mais c'est que eux, ils savaient exactement. C'est que pourquoi, qu'est-ce que la RDC a demandé dans son entendement? Quand il a demandé qu'il y ait la force régionale qui vienne à la RDC, et c'est sous condition de l'aider à retrouver la paix. À combattre l'M23. Il a fait foi au respect du président qui avait envoyé les forces dans notre pays. Mais on s'est rendu compte que peut-être on a fait une erreur, il faut le reconnaître, d'accepter ces gens-là parce qu'ils avaient... C'était une erreur. Oui, oui, c'était une erreur. Ça, c'est une erreur. De faire venir les forces de l'EAC. Oui, la preuve en est qu'on le fait partir parce qu'il n'a rien fait. Si ce n'était pas une erreur, on ne pouvait pas le faire partir. Si ce n'était pas une erreur, on le fait partir, mais il faut reconnaître certaines choses. Donc, ça fait une erreur d'appréciation. On a cru, on a donné foi. Et ce n'est pas mauvais de donner foi à une négociation, à un accord. Mais après, il s'est rendu compte, mais nous, les spécialistes d'Asie, l'histoire des relations internationales, il faut, même si vous signez un accord, il faut rester et voir jusqu'au fond si cet accord va apporter des fruits. Il ne fallait pas laisser disant que bon, ils vont venir, alors que vous savez très bien que dans cette Afrique de l'Est, il y a des rapports culturels avec le Rwanda, des rapports culturels avec l'Ouganda. Ces histoires-là, ce sont des histoires-là qui, même s'ils viennent, c'est comme l'ONU, hein, comme la MONUSCO. Les gens qui viennent des Nations Unies, la force-là, regroupée de plusieurs États, chacun vient avec la politique de son État. Hein. Mais c'est à vous le problème, les pays d'accueil, d'être vigilants. Parce que si les Américains, ils envoient leurs forces ici, ce n'est pas qu'ils ont coupé, même s'ils sont dans l'ONU, ce n'est pas qu'ils ont coupé avec le gouvernement américain. Ils apportent aussi, ils sont aussi liés aux options ou aux injonctions du gouvernement américain, même s'ils sont Nations Unies. C'est pourquoi il faut toujours être vigilant. Nous, quand nous avions, je vous donne un exemple, quand nous avions installé, parce que moi j'étais parmi les gens qui ont installé la MONUC ici, dans l'époque de Mouzé. De Mouzé, oui. Et Mouzé, tout en acceptant, parce que nous qui avons appelé pour signer l'accord de siège, pour nous aider à essayer de stabiliser, à essayer d'observer ce qui se passe ici. Mais Mouzé, tout en étant, en acceptant, nous a appelé à la vigilance, de vigilance. En disant, premier vigilance, disant, ce n'est pas les enfants de bon cœur pour nous. Il faut faire attention avec ces gens. Deuxième, je vous ai dit que Mouzé, que vous ne devez jamais accepter qu'il y ait des zones tampons. Je vous ai dit une fois ici. Et nous n'avons pas, quand nous avons fait, il n'y avait pas l'histoire des zones tampons. Les zones tampons, on les a acceptées, c'est la période ici qu'il y a sur des zones tampons. C'est pour vous dire que non, même si ces gens, vous les appelez, il faut toujours être sous garde, il faut être vigilant. Et ça, ça demande aussi des spécialistes, ce n'est pas que les gens qui appellent comme ça. C'est pourquoi je pense, bon, peut-être on va arriver, c'est pourquoi je pense
peut-être au niveau des conseils, je pense que si le président Tshisekedi prenait son deuxième mandat, et je pense qu'il y a deux choses qu'il faut faire, c'est l'aspect social, sécuritaire et surtout mettre la place, la personne à la place qu'il faut. Ce qui n'a pas été le cas pour le premier mandat. Le premier mandat, non, lui-même il le connaît, et beaucoup de gens en parlent. C'est pourquoi il n'a pas beaucoup de choses ont été ratées. Je vous dis, le problème des zones de tampons. S'il avait mis des spécialistes là-bas, on ne veut pas accepter les zones de tampons. S'il avait des spécialistes là-bas, on ne veut pas accepter d'un coup les histoires de l'IAC, là, les histoires de l'IAC. On devait appeler les gens. On dit non, les gens là, ils sont comme ça. Imaginez si j'étais dans le groupe des gens qui prenaient la décision. J'allais dire que non, par mon expérience, je pense qu'il fallait qu'on aille en Afrique australe. C'est quoi l'enjeu des zones de tampons? C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est très difficile. L'enjeu des zones tampons, c'est-à-dire, ce n'est pas possible d'avoir une zone tampon dans un pays souverain. C'est-à-dire qu'on dit, pour éviter la guerre, pour éviter des affrontements, il faut une force qui s'interpose là-bas, cette zone-là. Vous, les gens, les Congolais, vous ne pouvez pas arriver dans cette zone. Et vous, les rebelles, ne pouvez pas arriver dans cette zone. La zone est contrôlée par la force en attendant des négociations. Vous voyez ça? Ce n'est pas possible. Et Moussa a dit que ce n'est pas possible. Dans mon pays à moi, un pays souverain, où je suis le président, comment on peut refuser que mon armée, la force nationale, n'arrive pas quelque part? C'est déjà, comment on dit, c'est déjà une répartition de fêtes. C'est déjà une répartition de fêtes. Vous vous rendez compte que dans votre pays souverain, qui peut accepter ici dans ce monde ici qu'il y ait des zones en France ou en Angola, ou dire que non, dans mon pays, là-bas, il y a un endroit où l'armée ne peut pas arriver. Nous l'avons accepté. Nous l'avons accepté, c'était une erreur aussi. Moi, je l'avais dit la fois passée. Et je crois que c'était... Moi, c'est pourquoi je dis, il va essayer de mettre les gens à la place qu'il faut. C'est-à-dire que des spécialistes à chaque matière. Jean-Pierre Bemba. À son métier. Jean-Pierre Bemba, ancien vice-président de la République, ancien président du mouvement de libération du Congo, est-ce qu'il est à sa place au ministère de la Défense? Oui, mais il faut qu'il... On peut être à sa place. Jean-Pierre, je lui donne d'abord il a des préquis. C'est-à-dire que Jean-Pierre a fait la guerre, Bemba. Il a fait la guerre. Est-ce qu'il a étudié la guerre? Non. Il y a des généraux qui n'ont pas beaucoup fait des études, mais tellement qu'il a combattu longtemps, il a une expérience plus que même un spécialiste. Pourquoi il peut être spécialiste? Parce qu'il a une expérience de faire la pratique. Il a mené les guerres de 1945, il a mené les 1250, 1980, trois guerres, il a mené et ça lui fait donner l'idée de ce que c'est une guerre. J'ai vu la déclaration de Kagame, qui a dit non, le président Tshisekedi ne connaît pas la guerre. Non, c'est-à-dire que oui, parce qu'il a dit ça, parce que lui, tellement qu'il a fait la guerre contre les Bahoutou, il a été fait avec les Rwandais, c'est une guerre. C'est-à-dire que non, Jean-Pierre Bemba, il a de l'expérience parce qu'il a fait la guerre, et c'est quelqu'un qui est un homme d'État, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait qui connaît déjà les rouages de cette histoire-là. Et deuxième chose, sur le plan culturel, parce que malheureusement, ici chez nous, nous n'avons pas la culture stratégique du pays. Jean-Pierre Bemba est dans une ethnie, on dit ethnie, une ethnie, est dans une tribu, dans les coins où on appelle, par exemple, le Bayaka, le Mboza, ce sont des guerriers. C'est comme les tétés-là, dans les cultures ancestrales, d'aller au fond culturel, parce que c'est important d'avoir aussi la culture stratégique. C'est-à-dire que les gens qui sont appelés à être endurants devant une menace ou devant une guerre. Et Jean-Pierre Bemba est ce côté-là. C'est comme les batailles là. Les batailles sont des guerriers. Hein? Nous sommes des guerriers. Oui, nous sommes des guerriers. C'est pour les Ngongolou Tété, c'est une Sada, et les colonels Tchatchi, et beaucoup de colonels, des guerriers, nous avons fait la guerre ici. Et nous avons chassé les Arabes, ce sont les guerriers étaient là. C'est ça. Donc, ça, Jean-Pierre Bemba, ce n'est pas... Mais il faut qu'il soit entouré par des gens qui sont aussi... Il est mieux que Gilbert Kabanda. Mais oui. Bon, moi, je ne veux pas parler des individus. Moi, je ne connais pas Gilbert Kabanda. Je ne connais pas Gilbert Kabanda. Lui, il a fait, c'est le médecin.
Oui, il est médecin, mais peut-être il a fait la guerre, mais je ne le connais pas bien, mais j'appuie un peu parce que je le connais très bien. Et c'est quelqu'un qui a été connu, il a fait, il était commandant des bataillons, il a fait la guerre, il a été très performant dans ce qu'il était là-bas. Oui. C'est pourquoi j'ai dit que Jean-Pierre Mujudi Nkunda, mais pour Kabanda, je ne peux pas comparer les gens, et ce n'est pas moi, ce n'est pas dans ma culture de comparer les individus. C'est toi-même, toi, tu portes la responsabilité de citer Kabanda, mais moi, tu m'as cité Jean-Pierre Mbemba, et je donne mon appréciation pour Jean-Pierre Mbemba. D'accord. Pour Kabanda, je crois que toi-même, tu portes la responsabilité. Professeur Jean Omeunga Onakundu, eh bien, on est en train de finir. Oui. Est-ce que voyez-vous des points de ressemblance entre Félix Tshisekedi et Mzé Laurent Désiré Kabila? Oui, moi j'étais secrétaire général du PRP. J'ai fait 10 ans secrétaire général du PRP, ça dit que pas les PPRD, ça dit le parti que Laurent Désiré Kabila a laissé, son instrument politique. Et moi j'étais secrétaire général là-bas, j'ai fait 10 ans, et que nous avons soutenu le président Joseph Kabila pendant les 20 ans, mais j'avais décrié une fois dans une chaîne de votre collègue que malheureusement, le PPRD n'a pas pu intégrer les fondamentaux idéologiques de Mouzé pendant les 20 ans. La preuve en est qu'aucun membre du PRP, aucun membre du parti de Laurent Désiré Kabila qui était nommer un administrateur ou un ministre ou un vice-ministre pendant la période de son fils était là. Et donc, tous ceux qui ont accompagné Mouzé ont été mis. Il n'y a rien. Même quand même la fille de Mouzé était devenue députée, parce que c'est notre député du PRP, au nom du PRP, il a été devenu député, Jeannette Kabila, une femme que je respectais beaucoup. Donc, il était député. Pourquoi vous la respectez beaucoup? Je la respectais beaucoup parce que je connais sa façon d'agir et ses valeurs qu'il incarne. Même s'il était... Nous, on a fait la campagne avec... Il a beaucoup de valeurs. Oui, il a beaucoup de valeurs idéologiques de son père. Malheureusement, c'est la généralité qu'il a englobée parce que son petit frère était président, encadré par un autre parti qui ne portait pas en cœur les idées de Mouzé et les idées qu'elle-même portait. Et je comprenais sa difficulté. Mais moi, je l'avais approché, c'est pourquoi j'ai dit, je connais ses valeurs. Parce que nous avons fait la campagne ensemble et nous avons fait la campagne en fonction des idées de Mouzé. Il n'y avait pas de gauche à droite. C'est pour dire, répondre à votre question, parce qu'on m'a dit, le temps passe. Effectivement, si... Il y a des points de ressemblance en toi. Oui, des ressemblances, je l'ai fait, mais quand même, j'étais dans le PRP, même si ça m'a beaucoup de problèmes. J'étais encore dans le PRP quand... Je l'ai dit une fois que non, je regrettais beaucoup du fait tout simplement que M. Tshisekedi vient d'arriver, il récupère le service national, il récupère la lutte contre la corruption, il récupère la spoliation de biens de l'État, il récupère fait un effort de détournement de derniers fonds publics. Ce sont des choses, ce sont des valeurs fondamentales que Mouzé s'est battu, les Mouzé là que vous voyez. Et pendant la période de 20 ans, je crois que ces valeurs ont été bafouées. Mais le président Tshisekedi, en arrivant, il a récupéré, et ça me fait honneur, moi, Omeunga, de voir quelqu'un qui n'était pas avec nous, mais qui l'a récupéré, le service national maintenant. Vous voyez? Ça fait écho de ce national. Mais dans notre période, avec les Joseph Kabila, on a préféré faire mon Kangalozo. Vous voyez ça? Deuxième chose, vous voyez ça? On devait lutter. Dans notre période, il y avait beaucoup d'intouchables. Maintenant, même si on les a... Mais même aujourd'hui, on a fait arrêter, mais même si on lâche, mais on t'attache quand même, on te met en prison. Mais dans l'époque, il y avait beaucoup d'intouchables. Alors que Mouzé ne voulait pas qu'il y ait des intouchables, c'est pour qu'il arrêtait même ses collègues qui étaient à ses côtés. Si vous débordez un peu, vous y matez un peu le peuple, parce que lui, c'est le peuple. Lui, c'est le peuple. Il ne voulait pas qu'on s'arrête, même si vous profitez de son pouvoir pour incriminer le peuple. Il ne voulait pas. Et j'ai vu beaucoup de prisonniers de ses amis qui étaient au Conseil national de sécurité en prison parce qu'ils ont débordé le pouvoir. Parce qu'il dit, je vous donne le pouvoir,
ce n'est pas pour écraser les gens qui incarnent le pouvoir, les peuples. Parce que si vous oubliez dans votre pouvoir que l'arme la plus redoutable, c'est le peuple. Si le peuple se met devant, même si vous amenez des chars, des combats, vous êtes déjà parti. Professeur Jean. J'ai de la comparaison, j'ai dit, félicitations au président Tshisekedi de penser à ses valeurs idéologiques, même s'il n'était pas, on dit Tshisekedi, non, il a vu que certaines valeurs de cet homme, que tout le monde est peut-être qui est populaire, hein, vous savez, même partout, vous êtes respecté, parce qu'il incarnait des valeurs fondamentales que Tshisekedi reprend, et la preuve en est qu'avec ça, il doit être réélu. Et c'est mon souhait. Et mon souhait, et le souhait aussi de mon président Chiou Kitondo, je Léonard. Pense que, Léonard, je crois que je le souhaite, je crois que les élections s'est bien passées, et nous pensons, comme nous l'avons déclaré au départ, qu'on était des bons côtés de l'histoire. Nous avons donné les raisons pourquoi nous l'avons soutenu, bien qu'on était avec le président Kabila. Nous ne soutenons pas les individus, mais nous soutenons les valeurs comme vous m'avez demandé. Même aujourd'hui, je ne suis plus là. Vous avez dit que non, nous soutenons les valeurs du professeur Omeyonga, bien qu'il était comme ça. Ce sont que maintenant que la République marche. La République marche en fonction des valeurs. Vous avez été proche de Laurent Désiré Kabila. Oui. Vous avez été proche de son fils également, Joseph. Mais je n'ai pas, beaucoup travaillé avec son fils. Hein. Mais j'ai travaillé avec Laurent Désiré Kabila parce que j'étais dans les affaires, dans beaucoup de services spéciaux. Mais, vous pouvez quand même connaître tous ses enfants. Pardon? Les enfants de Laurent Désiré Kabila. Oui. Vous pouvez quand même connaître tous ces enfants. Non, les enfants qui ont travaillé avec moi, je ne suis pas, pas dans ce tissu pour connaître la géologie, la généalogie. Quelques-uns, par exemple. Je pense que je ne suis pas de la famille de Kabila. Mais vous connaissez Je ne suis pas l'oncle de Kabila, mais j'ai travaillé avec son oncle. Vous n'êtes pas l'oncle, mais vous avez travaillé avec lui. J'ai travaillé avec son oncle, le petit frère, j'ai travaillé avec sa fille et Kabila. Les autres, je pense qu'il faut demander peut-être. Il faut demander à la famille de Kabila pour vous dire qui sont les enfants ou pas, par le professeur Omeyonga qui était professionnel. Moi, j'étais secrétaire général, j'ai travaillé avec... Mais vous ne connaissez pas ses enfants. Je dis, les gens qui ont travaillé avec moi, je dis, je connais le papa oncle, le papa Kabila, le papa Dédoné, je connais Joseph, je connais Jeannette. Ah, peut-être maintenant, ses enfants. Pour d'autres enfants, il faut demander des membres de la famille. Moi, je suis des membres de la famille politique. Très bien. Et de Laurent Désiré Kabila, mais pas de PPRD. Pas de PPRD. Mais de Laurent Désiré Kabila. On va finir, professeur, juste une dernière question. Oui, hein. On attend les résultats qui viennent progressivement. Il y a des agitations à gauche, à droite. L'opposition qui dit qu'elle va marcher. D'autres demandent l'annulation des résultats. Un petit mot, juste un petit mot, pour que cette période passe de façon calme. Un petit mot seulement. Oui, merci beaucoup. Je pense que j'ai dit dernièrement avec vous ici dans cette émission que si j'étais le conseiller de tous ces candidats, je devais les décourager d'être candidat. Pourquoi? Parce que je t'avais dit que non, le contexte politique national n'était pas opportun pour qu'ils demandent, pour qu'on déboulonne les présidents Tshisekedi. Et deuxième chose, le contexte international est tout aussi opportun. Pourquoi? Parce que je t'avais dit que non, le président Tshisekedi était éligible pour son deuxième mandat parce qu'il avait un bilan à présenter. Et les autres, même s'ils sont, je ne parle pas de compétences, même s'ils étaient compétents, mais ils étaient du mal à faire avaler au peuple congolais leur projet de société, alors que l'autre présentait le bilan qui n'était pas totalement positif, mais il y avait des actions très positives que les gens ont appréciées. Je veux dire, les services nationaux, les Mamayemo, beaucoup de choses, la gratuité de l'enseignement, tout ça, maternité, sont des choses qu'il avait capitalisées et que les gens étaient du mal à déboulonner. Ça, c'est, je devais leur donner conseil. Et comme conseil, vous me demandez maintenant, en disant effectivement, c'est qu'eux-mêmes, ils ont demandé, ils ont dit, il faut faire des verdicts bureau par bureau. Hein? Des verdicts bureau par bureau. Et ce qui est en train de se faire, bureau par bureau. En ce qui concerne la marche, je pense que les gens confondent toujours la liberté des manifestations et le débordement de l'atteinte de l'ordre public. D'accord. Parce qu'il faut que les gens qui font ça sachent que si nous marchons, si nous faisons la manifestation, dans quel cadre et sous couvert par quelle législation ou quelle loi. Merci beaucoup. C'est important de savoir ça. C'est important. Mais je pense que, en terminant en disant que non, comme je vous ai dit au départ, je réitère encore mes propos en disant que si le président
revient aux affaires, comme nous le pensons qu'il va revenir, c'est mieux de voir des considérations sociales, considérations sécuritaires et surtout la gouvernance, de mettre quelqu'un à la place qu'il faut. Merci beaucoup, professeur Jean Obeonga Unakundu, professeur ordinaire à l'UNIKIN, directeur du Centre de recherche géologique, géostratégie et développement durable au cadre du PSDV de Léonard Cheo Kitundu et membre de l'Union sacrée de la Nation. Merci de nous avoir suivis. Nous laissons l'antenne à Bems Badjoko pour Plateau d'honneur. À très très bientôt.